Voilà, ça veut dire en d'autres termes, moi pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique et pour le monde, je suis une voix en accord avec Ésaïe, chapitre 60, le verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Si tu regardes beaucoup mes statuts, je dis toujours le plus petit. C'est parce que les gens ne comprennent pas ce que veut dire le plus petit. Okay. C'est-à-dire que je reçus mandat de la part de l'Éternel de me propager, de me multiplier jusqu'à ce que nous devenions mille. Quand je dis souvent le moindre de tous, le moindre de tous, en accord avec Ésaïe 60, 22, veut dire, il deviendra une nation puissante. L'actuel président des églises de Revêt au Congo, absent. Mais il n'était pas en dehors du pays, il est au pays. Je te confirme qu'il était ici dans, au pays. Okay. Ça, c'est une famille pour moi, on se connaît. Pendant que les cérémonies sont en train de se tenir, mon très cher frère, Guyolangi, vous savez, le problème avec Guyolangi, c'est quoi? C'est pas un hypocrite. Okay. Guyolangi, c'est qu'il te dit tout haut. C'est ce qu'il pouvait dire tout bas. Okay. Il est à la maison, il peut me suivre. C'est l'une des qualités. Mais content en bas, mais content en public. Okay. Il ne connaît pas faire des demi-mesures. Certainement, il y avait un problème dans ce sommet avec lui. Parce que je dois me renseigner s'il y a un tel sommet. Je pense que c'était le jour de l'anniversaire de sa fille. Oui. Ah oui. Non, vous imaginez que il a préféré aller dans l'anniversaire de sa fille pour ne pas venir au sommet. Nous grandissons. À un certain moment donné, le taux d'utilité marginale de la blague doit diminuer. C'est-à-dire, à un certain moment donné, il faut respecter ton rang. Tu te dis, au point où nous sommes en train de parler, parce que ce sont les assises qui sont regardées de loin par la présidence de la République. Ce sont les sommets qui sont regardés de près par des envoyés des chefs de l'État. Mais lorsque vous ne savez pas dépasser vos limites pour produire un résultat qui pourra vous donner du respect au sommet de l'État, ben vous vous exposez vous-même. Mais il s'est investi pour qu'il y ait la réussite. Guyolangi s'est investi pour qu'il y ait la réussite. Pas là. Mais à la fin, le constat était que. D'abord, je n'étais pas là. Je te donne les éléments qui font que moi, Baka, je n'ai pas trouvé d'unanimité dans la chose. Okay. En tout cas, permettez-moi, je n'ai pas parlé mal. Je vous dis mes observations. Sachez que le monde est une histoire de compétition. L'église où les recettes est entre les mains des politiques pour leur donner les éléments des langages, parce que derrière eux, il y a la foule, il y a la population, ils pouvaient faire ce travail. Enfin, je pense qu'on ne peut pas avoir une révision constitutionnelle sans passer par les référendums. Sans passer par les référendums. Ok. Donc, si tu dois y avoir un référendum, il faut chercher le groupe de masse. L'église représente quand même un groupe qui contient beaucoup de personnes. Donc c'est une société civile importante. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une erreur de la part de l'État de mettre des moyens pour que les têtes se rencontrent. Mais la question c'est de savoir, les têtes que vous réunissez, pensez-vous qu'ils ont encore une parole à influencer la population? C'est une question que je pose. La meilleure d'ailleurs. Croyez-vous que c'est un créneau par lequel la population... Je vous dis la vérité. Hein. Ça, je vous le dis sincèrement. Il y a des noms de pasteurs mettez à la télé, demandez aux gens s'ils sont d'accord avec lui, qu'ils laissent passer. Plusieurs vont te dire que nous ne voulons même pas qu'ils portent les noms pasteurs. Nous ne voulons même plus l'entendre parler de nous. Non, mais quand même, vous avez un représentant légal, Ejibaya Mapia, hier, j'étais là, j'ai vu. Il a écrit, hein, c'est un écrivain qui a un peu ses expériences. Il y a au moins plus de 10 livres que j'ai vu là-bas, mais apparemment on demandait aux gens d'acheter, mais j'ai pas vu même 5 personnes qui ont acheté mes livres. C'est pour te dire quoi? C'est pas un leader. Je respecte Ejibaya Mapia, archevêque. Évêque, hein? Je sais pas. Bon, moi je le respecte. Les représentants légaux. Bon, je le respecte. Seulement qu'il y a une chose. Comme je me réclame du Seigneur Jésus-Christ, nous utilisons le même support, c'est la Bible. Je ne pense pas que c'est à volonté. Parce que moi, je me renseigne et je fais un effort de lire, d'étudier, de sortir du carcan biblique pour devenir utile pour ma nation. Okay. Mon cher frère, Joseph Kabila, qui vient de partir, il a révisé la constitution une fois. Bon, maintenant, moi, je pose la question.
certaines personnes, je dis bien, je ne connais pas, je laisse. S'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur, hein, les commentateurs. Je laisse la démarche politique de la révision constitutionnelle entre les mains des politiciens. S'il y a des opposants, ils viennent, eux, justifier cela. Moi, je parle de ce que l'Église entend. Et il y a deux éléments que je ne perdrai pas de vue. Le premier élément que moi, en tant que la voix du Christ, prophète de la nation, évangéliste, je... Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses: commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue, résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la satisfaction. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyons bons citoyens, nous pouvons aider notre pays à aller de l'avant si nous avons des vertus capables à booster les grandes lignes de la nation ou de la République démocratique du Congo. Vous étiez très 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 nombreux, chers téléspectateurs habitués de cette émission au Centre Magazine. Vous nous suivez en direct sur notre chaîne YouTube au Centre TV ou sur Delcast Télévision. Mais ce que nous vous demandons, c'est de plus vous abonner et aussi contribuer, laisser des commentaires, participer à cette émission, parce que ce que nos invités disent sur les plateaux, ils n'ont pas le monopole de connaissances. Vous également, vous pouvez prendre part à cette émission parce que l'émission s'appelle Au Centre. Sur ces plateaux, il était demandé par vous par rapport à l'actualité de l'Église et aussi certains sujets importants qui dérangent l'opinion. Le premier sujet, l'actualité de l'Église, il y a eu sommet de l'unité. J'avais reçu l'évêque général de l'Église du Réveil du Congo sur ces plateaux, évêque David Paul Olangi, qui avait annoncé qu'il y aura un sommet de l'unité de l'Église du Réveil du Congo avec tous les grands de la République démocratique du Congo. Hier, nous étions là, on a vu certaines choses, on s'est dit, le mieux, c'est d'appeler quand même les professeurs de l'Université de la foi chrétienne, l'âme qui veut rétablir des valeurs spirituelles, d'essayer un peu de nous faire son analyse. Et puis, le deuxième point, il y a un autre sujet, vous avez suivi la classe politique congolaise, elle est divisée par rapport à un sujet qui dérange. Est-ce qu'il faut changer la constitution? Y a-t-il nécessité de changer la constitution? Si on change la constitution, c'est pour favoriser les politiques ou les chefs de l'État à faire 3 mandats? Ou c'est important que nous puissions changer cette constitution appelée par certaines personnes une constitution des belligérants, une constitution qui n'est plus en harmonie avec la réalité actuelle? Face à toutes ces questions, c'est avec mon invité, il s'appelle l'évangéliste Roger Baka, professeur de l'Université de la foi chrétienne. Il a écrit plusieurs livres, le moindre de tous. Il est ici avec nous. Évangéliste, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, de femmes. Merci beaucoup à vous tous qui me suivez à partir de la maison. Que Dieu vous bénisse. Comme Delphin venait de le dire, nous ne connaissons pas tout. Nous avons trouvé utile de venir mettre au service de notre nation la grâce que nous avons reçue de la part de l'Éternel. Et donc, veillez trouver dans cette émission l'édification, parce que moi, je ne me réclame pas de l'Église. Moi, je me réclame de Jésus-Christ qui est la tête de l'Église. Il y a une différence, ouais. Être de l'Église du Réveil, ouais. Et être de Jésus-Christ. Être de l'Église, c'est-à-dire la communauté des assemblées locales. Ok. Vous avez des évangélistes, vous avez des apôtres, des prophètes, d'Éphésiens 4, 11 à 12.
je ne me réclame pas de cette église locale. C'est déjà un problème. Oui, non, moi je ne suis pas. Non, c'est déjà un problème parce que moi je me réclame du Seigneur de l'église. Non, il y a les cinq ministères. Et dans ces cinq ministères, vous êtes évangéliste, automatiquement, vous devez vous réclamer de l'église. C'est le ministère. C'est le ministère. Et le ministère, c'est tout. Justement, mais il y a des sept qui sont au sommet de l'église au-dessus de l'église. Ce sont les serviteurs du Seigneur, comme Paul. Ok. Paul s'est défini comme serviteur de Jésus-Christ. Mais il est apôtre. Oui, donc, en étant apôtre, il est dans l'église. Voilà, donc c'est pour dire quoi. La mission de l'apôtre va au-delà des quatre murs, au-delà de l'assemblée locale. C'est pourquoi tu vas vérifier dans le pays, tu ne verras pas une assemblée de dénominations ayant pour autorité spirituelle Bach. Mais quand tu marches dans la rue, tu poses la question, on te dit, on connaît Bach. Comment quelqu'un qui n'a pas local, mais est devenu une référence pour son pays en matière de l'évangile. Jean-Baptiste, il était le pasteur de quelle église? Mais pourquoi on avait peur de le toucher? Parce que tout le monde savait qu'il était prophète de Dieu. Voilà, ça c'est ma catégorie. Je ne suis pas sûr. Donc moi, je me réclame du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi j'ai le mandat de parler aux apôtres, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs et aux pasteurs. Est-ce que ça, ce n'est pas l'orgueil sacerdotal ou sacerdotal, si ça s'est dit ainsi? Non. Lorsque tu vas dans Ézéchiel chapitre 3, tel que complété par Ézéchiel chapitre 33, il dit, fils de l'homme, vois, je t'établis devant ma maison. Il n'est pas dans la maison. Il est devant la maison. Okay. Ésaïe chapitre 2 dit, la maison de l'Éternel, c'est ce que vous appelez aujourd'hui église, assemblée locale. Il y a des gens qui sont établis comme des sentinelles devant la maison. Pas dans la maison, devant. Dans ces bibliques. Oui. Les gens peuvent vérifier. Ézéchiel 3, Ézéchiel 33. Vérifier donc la Bible. Voilà, ça veut dire en d'autres termes. Moi, pour la République démocratique du Congo, pour l'Afrique et pour le monde, je suis une voix en accord avec Ésaïe. Chapitre 60, le verset 22. Le plus petit deviendra un millier. Si tu regardes beaucoup mes statuts, je dis toujours le plus petit. C'est parce que les gens ne comprennent pas ce que veut dire le plus petit. Okay. C'est-à-dire que j'ai reçu mandat de la part de l'Éternel de me propager, de me multiplier jusqu'à ce que nous devenions mille. Quand je dis souvent le moindre de tous, le moindre de tous, en accord avec Ésaïe 60, 22, veut dire, il deviendra une nation puissante. Alors quand je dis le moindre de tous, les gens ont l'impression que c'est un sobriquet. Non. C'est mon point de départ. Mais quand vous parlez de se multiplier, je ne veux pas que les gens comprennent ça autrement, parce qu'il y a certains pasteurs qui se multiplient, qui se dédoublent de voyage astral. De quelle multiplication vous parlez? Malheureusement, je suis désolé, je ne parle pas de dédoublement, de multiplication, parce que du voyage astral. Moi, je dis le dédoublement, c'est la reproduction. Okay. C'est-à-dire au travers le fondement des apôtres et des prophètes. Vous créez d'autres religions. Chapitre 2, le verset 18 à 19, 20. Je suis en train de transmettre cette connaissance en accord avec Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Là où l'Éternel et Dieu donne la prophétie. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre. L'obscurité couvre le peuple. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Le peuple marcheront à la clarté de tes rayons. Okay. Donc, Dieu est pour l'église le soleil. Moi, je suis pour l'église les rayons solaires. Il faut faire la différence. Okay. Oui. Donc, quand l'église m'écoute, l'église écoute les rayons du soleil. Parce que Jésus-Christ ne peut plus revenir pour édifier l'église. Il a déjà posé le fondement et l'apôtre l'a confirmé. Mais maintenant, nous sommes à la période où les personnes qui ont la connaissance de Dieu doivent commencer à intervenir pour chasser le ténèbre qui est l'ignorance totale de la parole de Dieu et chasser deuxièmement l'obscurité qui est le manque de connaissance. Voilà pourquoi Osée 4, 6 se dit « Mon peuple périt faute de connaissance ». Le peuple de la République démocratique du Congo ne périt pas parce qu'il n'y a pas de pasteurs. C'est pas ça. Le peuple ne périt pas parce qu'il n'y a pas d'évangélistes et de docteurs, des apôtres. Non. La faiblesse ultime de l'Église, mon très cher frère d'Alphard, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. L'ignorance est comme
une faiblesse ultime. Voilà. Ultime. C'est ce que l'Église manque. De l'Église. Voilà. Parlons-en, parce que si on vous a invité, c'est par rapport à ces sujets également de l'Église. Au début, j'ai dit ici que j'avais reçu l'évêque général de l'Église du Réveil du Congo, l'évêque David Paul Olangi. Que d'ailleurs, je salue moi aussi. Voilà. Il nous avait annoncé ici les sommets de l'unité de l'Église du Réveil. J'aimerais que si la régie est en harmonie avec moi, il y a les spots là, vous allez voir, il y a autant de visages, des gens qui devaient être là dans ces sommets pour que cette communion de fraternité soit scellée. Alors, les constats est amers. Hier, avec mon équipe, j'étais là, j'ai vu le pasteur venir vers moi et en train de se soucier par rapport à ce qu'eux attendaient de ces sommets. L'évangéliste Roger Baka, vous voulez rétablir des valeurs dans l'Église. Est-ce d'abord biblique que les gens se mettent ensemble pour dire « Nous voulons faire sommet de l'unité de l'Église du Réveil ». Est-ce d'abord biblique? Bon, je crois que poser la question si ce sommet est biblique, je vais m'épargner de me lancer dans ce chemin-là. Mais je crois que l'unité est biblique. L'unité est biblique. Voilà. Vous le trouverez dans le livre de Ephésiens, chapitre 4, les versets 11, 12, 13 jusqu'à 16. Je vais lire ça après. Okay. Mais je crois que l'unité pose problème pour moi. Ok. De le départ dans ces sommets. De le départ. De le départ. Je trouve que l'unité pose problème. Dans les moments étaient mal choisis. Premièrement, tout en remerciant l'effort combien louable des organisateurs d'un tel sommet, permettez-moi quand même de pouvoir apporter ma contribution. Ok. La première faute, c'est liée à l'infographie. Liée à l'infographie. Expliquez-vous. Spot. Ça veut dire. Le sommet devait être une réunion spirituelle. Par conséquent, sans affiche de visage des gens. Voici là où la division a commencé. Il fallait quand même représenter... L'Église est représentée par Jésus. Okay. Vous ne pouvez pas mentionner le visage des hommes comme étant les figurants qui incarnent l'unité de l'Église. Voici de l'autre part. Non, le visage de référence. Il n'y a jamais de visage de référence. Le visage de référence de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est l'image même de Dieu. Pourquoi? Subjectivement parlant, quand vous prenez quelqu'un, vous omettez son visage dans le visage que vous êtes en train de montrer. De le départ, vous l'avez exclu. Deux, en termes d'apparition, certaines personnes sont très liées à leur respect. Ils ne souhaiteraient pas, en termes d'apparition, qu'il soit dixième. Ils ne souhaiteraient pas, en termes d'apparition, qu'il apparaisse quinzième personne. Okay. Déjà, sur le plan infographie, sur le plan spot, élaboration de l'invitation, un échec flagrant. Les gens se sentent désintéressés. D'ailleurs, c'est pas pour te mentir, j'ai vu le tweet du général Sonny Kafutaro Koman. De l'armée de l'éternel. Voilà. Qui a dit. Voilà. Je suis surpris de voir ma photo sur cette affiche. Je ne suis pas dans ces assises. Ni de près. Ni de loin. Car je ne peux pas trahir ma conscience. Veuillez s'il vous plaît retirer ma photo. Général Sonny Kafuta Rockman. Donc, j'y rappelle. On peut conclure qu'il y a certaines personnes. Ancien président des églises de Réveil. Ok. Je rappelle. Ancien président du conseil des sages des églises de Réveil. Un vrai patriarche. Ça veut dire que quand il refuse que sa photo apparaisse ici, c'est déjà un problème de départ. Et je le dis en toute humilité.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a certains visages qu'on a vus ici, c'est des visages forcés, ils ont mis sans consulter ces gens. Mais le cas échéant, le général Sonny Kafoutaïdi, on n'a pas consulté ça. On ne l'a pas consulté. Ok. C'est déjà un échec, de le départ. Ok. Mais vous vous imaginez une tête comme le général Sonny Kafoutaïdi, sans pour autant le louer assez. Vous pouvez faire quelque chose sans lui. Si vous êtes des aînés. Ça, c'est de un. De deux. J'ai vu l'absence de l'évêque général. Guy Oulangi. David Poulolang. Il n'était pas là. Président des églises de réveil du Congo. Du Congo. Il est venu sur le plateau. C'est lui qui a parlé de ce sommet. Là, non, c'est ça ici. Il n'était pas là. Vous savez, vous pouvez avoir une belle initiative. Mais ça demande beaucoup de grandeur pour atteindre l'objectif ou le résultat attendu. Il y a certaines personnes qui se permettent d'organiser des choses, mais qu'ils oublient finalement le résultat qu'ils attendent. Parce que quelqu'un qui attend un résultat, il sait s'oublier. Il sait s'effacer. Pour permettre que le résultat attendu soit atteint. Et il n'est pas venu. Bon, dites-moi, je commence par le révérend Sonny Kafouta absent. L'actuel président des églises de réveil au Congo absent. Mais il n'était pas en dehors du pays, il est au pays. Je te confirme qu'il était ici dans, au pays. Okay. Ça, c'est une famille pour moi, on se connaît. Pendant que les cérémonies sont en train de se tenir, mon très cher frère Guy Oulangi, vous savez. Le problème avec Guy Oulangi, c'est quoi? C'est pas un hypocrite. Okay. Guy Oulangi, c'est qu'il te dit tout haut. C'est ce qu'il pouvait dire tout bas. Okay. Il est à la maison, il peut me suivre. C'est l'une des qualités. Mais content en bas, mais content en public. Okay. Il ne connaît pas faire de demi-mesure. Certainement, il y avait un problème. Dans ce sommet avec lui. Parce que je dois me renseigner s'il y a un tel sommet. Je pense que c'était le jour de l'anniversaire de sa fille. Oui. Ah oui. Non, vous imaginez que il a préféré aller dans l'anniversaire de sa fille pour ne pas venir au sommet. Nous grandissons. Okay. À un certain moment donné, le taux d'utilité marginale de la blague doit diminuer. C'est-à-dire, à un certain moment donné, il faut respecter ton rang. Tu t'es dit. Au point où nous sommes en train de parler, parce que ce sont les assises qui sont regardées de loin par la présidence de la République. Ce sont les sommets qui sont regardés de près par des envoyés des chefs de l'État. Mais lorsque vous ne savez pas dépasser vos limites pour produire un résultat qui pourra vous donner du respect au sommet de l'État, ben vous vous exposez vous-même. Mais il s'est investi pour qu'il y ait la réussite. Qui? Guy Oulangi s'est investi pour qu'il mais la réussite. Mais à la fin, le constat était que. D'abord, je n'étais pas là. Je te donne les éléments qui font que moi, Baka, je n'ai pas trouvé d'unanimité dans la chose. Okay. En tout cas, permettez-moi, je n'ai pas parlé mal. Je vous dis mes observations. Sachez que le monde est une histoire de compétition. Je rappelle à tous ceux qui organisent des choses que nous vivons dans un monde de compétition et que vous êtes observé de près par certaines personnes. Que vous ne prêtez pas attention. Je ne pense pas qu'ils peuvent imaginer que j'étais assis en train d'observer. Parce que s'il faille tenir le sommet de l'unité, le stade de martyr ne supportera pas le nombre de pasteurs qui devaient venir. Je ne parle pas de l'unité. L'unité ne fait pas du Kinshasa. Kinshasa, c'est la capitale. Okay. Nous avons des provinces. Et si un jour, nous voudrions faire l'unanimité, je crois que 90% des personnes que nous allons voir au sommet, ce sont des personnes qui ne sont pas médiatisées. Il ne faut pas faire la différence entre être pasteur dans les médias et être grand. Il y a une différence? Très grande. Il y a des pasteurs qui sont visibles. Médiatisés. Dans les... Okay. Par la TNT, par les réseaux sociaux. Ce n'est pas le fait que tu fais un grand nombre d'abonnés sur YouTube, sur Facebook, que tu deviens grand. Ah non? Okay. Nous devons nous remettre en cause et dire nous sommes mal partis par cette. Mais ça démontre la popularité parce qu'il a plus d'abonnés, plus de vues. C'est très bien. Il a plus de likes. Tu peux garder ça comme un élément que je vais développer tout à l'heure. Okay. Quand j'observe bien,
le révérend Kizyamine Akibi, l'agent Oscar, que je salue. Absent. Il n'était pas là. Qu'est-ce qui se passe? Est-il toujours mécontent du fait qu'il a payé l'argent pour élaborer le règlement et les statuts, la légalisation, mais que la dénomination ne l'appartient plus? La photo de, du patriarche qui s'est mis là, Simon. Moi, je suis en train de vous donner des éléments. Ok. Parce que je suis quand même une voix dans ce pays. Mais était-il mécontent? Et quel était son mécontentement au point de ne pas être sommé? Ça remet en cause la légitimité d'un tel sommet. Mais sa photo était dans l'affiche. Mais pourquoi il n'est pas là? Il est aux États-Unis. Ah, pourquoi il est aux États-Unis? Parce que moi aussi, je pouvais me retrouver aux États-Unis. D'ailleurs, moi, je n'ai pas reçu l'invitation. Même ma tête, là, n'était pas dans... Si... Okay. Mes frères et sœurs, très chers bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez avoir le courage de nier aujourd'hui que Roger Baca, dans l'histoire de l'église de Reveil, n'a pas une écriture. Ne fût-ce que quand vous refusez de mettre la photo. Parce que moi, je n'en ai pas besoin. Mais vous pensez vraiment qu'on peut trouver sérieux aujourd'hui parler de l'histoire de l'église de Reveil sans Roger Baca. Et botter en touche Roger Baca. Et puis on parlait des sommets de l'unité. Sommet de l'unité. Je n'ai pas encore parlé de l'unité. Je parle des sommets. Kizyamine n'était pas là. C'est lui-même l'initiateur. Savez-vous que la plateforme Église de Reveil, parmi les pères fondateurs, sans trop abuser du mot, Kizyamine est là. Sais-tu que, d'après mes informations, L'émir, voilà. Oui, oui. Celui qui a donné l'argent pour l'élaboration du statut et des règlements. Je peux me tromper, excusez-moi. Je crois que Kizyamine est là. Non, c'est vrai. Lui-même m'avait confirmé ça dans les vidéos. Merci. Moi, je sais Kizyamine. Je ne parle pas avec lui. Je suis de près. Ok. Moi, je suis de près tout ce que l'église de Réveil du Congo fait. Pourquoi? Parce que je sais que tôt ou tard, j'aurai un rôle très important à jouer dans l'histoire de l'église. Ok. Maintenant, parlons de l'unité. Est-ce que l'unité est d'abord physique? Pour que nous puissions nous retrouver dans des sommets physiquement. Oh. Mais la présence de tout un chacun ensemble, ça prouve qu'il y a communion, il y a l'unité. Tu vois ça? Ça s'appelle rassemblement des humains. Rassemblement? Des humains. Ça n'a rien à voir avec l'unité de l'église. L'unité de l'église, tu vas comprendre maintenant. Ok. Lorsque vous êtes dans Éphésiens chapitre 4, le verset 2 à 3. Vérifiez à la maison. Éphésiens 4, 2 à 3 dit ceci. Tout en respectant les têtes qui sont là, en leur qualité, je dis que l'unité n'est pas le rassemblement des humains. L'unité, c'est d'abord l'esprit. Avons-nous le même esprit? Voilà pourquoi Éphésiens 4, 2 à 3 dit. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Pourquoi vous ne m'avez pas supporté pour m'inviter? Si c'est vraiment de l'unité. Parce que je sais que je dérange. Pourquoi vous n'avez pas supporté ma personne? Pas seulement moi, et tout le reste qui n'ont pas été là. Ça, c'est le premier point. Le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par les moyens de la paix. Un tel sommet ne peut pas être fait s'il n'y a pas eu des états-majors préalables qui se sont concertés pour dire non, évitez l'infographie, ne mettez pas les têtes des gens, ça va léser. Pour dire en toute humilité, nous devons approcher le pasteur Sonny Gafuta pour qu'il soit là. Parce qu'il a tweeté au moins 2 semaines ou 3 semaines avant que le sommet ne s'efface. Paul David Olangi, tu es le président actuel de l'église de Romain. Quel est le problème qui vous oppose entre vous? Serait-il un problème d'ordre financier? Êtes-vous passé quelque part où on a libéré un certain 20 000 dollars et que ça n'a pas été considéré? Ce sont des hypothèses. Je dis des hypothèses. Je ne pense pas à Paul David Olangi. C'est quelqu'un qui est
qui est outillé, il est quelqu'un qui ne souffre pas de moyens. Mmh. Je ne pense pas que ça peut être ça donc, le ça problème, parce que David Olangi, c'est quelqu'un des valeurs. Non, en tout il point, met d'abord beaucoup, hein, ah, il, en tout il point, met beaucoup de ses moyens. J'admets, j'admets. Mais s'il met de moyens, pourra-t-il accepter qu'il y ait un 20 000 dollars qui n'a pas bénéficié à l'église de Réveil? Parce que lui, il en a, mais la plateforme. Donc, certainement, il y a un problème de l'honnêteté, parce que j'ai appris dans le couloir, il semblerait que M. Gilles Alinghetti avait soutenu aussi à la hauteur, ses assises. Hein, à la hauteur peut-être de 20 000 dollars. Okay. Sans déranger qui que ce soit. Est-ce qu'il y a eu des rapports d'abord devant les autres qui... Ou soit c'était un cadeau privé de quelqu'un. Il n'y a pas unité déjà sur ce point-là. Alors, c'est terrible ça. Maintenant, quand vous dites l'unité de l'esprit... par le moyen de la paix. Comment vous définissez la paix? On dit le moyen par lequel vous devez passer pour avoir l'unité que vous cherchez là dans les sommets. Commencez par chercher la paix avec tous. Okay. Mais maintenant, la paix, c'est quoi? Il faut qu'il y ait cessation d'hostilité. Cessation d'hostilité. Ne braquez pas les armes sur les gens. Il y a des personnes, à moindre petit conflit, ils dirigent les armes sur toi. Tant qu'il y a toujours des guerres, que celui qui a beaucoup de moyens pense financer des opérations pour l'arrestation des uns et des autres. Que celui qui se prend pour l'homme le plus élevé, malheureusement, peut utiliser le... Aujourd'hui, notre justice est malade. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui se croient au-dessus de la loi. Détournement du parcelle, détournement du matériel, détournement de voitures d'autrui, pire, détournement des femmes d'autrui. Comment voulez-vous que nous puissions avoir l'unité de l'esprit quand nous voyons de telles choses? C'est pas fini. La paix n'est pas seulement la cessation d'hostilité. Enfin, la paix, c'est aussi l'absence de toute information qui, une fois divulguée, peut créer une explosion de la société et de l'église. Pensez-vous qu'il n'y a pas d'information que, une fois divulguée sur la place publique, la plateforme va disparaître? C'est à eux de le dire. Hein. Moi, je le conserve pour moi parce que je ne suis pas là pour ça. De deux, lorsque vous allez dans Éphésiens chapitre 4, verset 30 à 32, la Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si je ne peux prendre que cette référence, amertume. Il y a des gens qui vivent aujourd'hui dans l'histoire de l'Église avec amertume dans l'âme. Excuse-moi. Amertume. Mais les c'est... autres, parmi les aînés de la foi, il y a des ceux qui se sentent trahis. Trahis. Vous pensez qu'ils ne se sont pas pardonnés ou... Animosité, calomnie, médisance, méchanceté parmi, entre guillemets, ceux qui prétendent faire ce soir. Je vous parle si vous me suivez, parce que je sais que cette émission va vous parvenir. Sincèrement, la main dans le cœur. Pouvez-vous rassurer qu'il n'y a pas d'animosité parmi vous? Quels sont les préalables que vous avez faits pour l'exécution d'un tel projet? Mais on devait réfléchir pour parvenir à l'unité de l'esprit. Nous devons d'abord savoir que nous ne pouvons atteindre le sommet de l'unité de l'esprit que lorsque nous confessons la vérité dans l'amour. Éphésiens 4, 11 à 16. Nous devons confesser la vérité. Pour que nous puissions parvenir à cette unité. Deux, nous devons savoir qu'à défaut de tout ça, ça devient un folklore. Parce que Psaume chapitre 28, le verset 3 dit, ne m'emporte pas avec le méchant et les hommes iniques qui parlent de la paix, mais qui ont de la malice dans leur cœur. Qui ont de la malice dans leur cœur.
C'est-à-dire, il ne faut pas que nous venions là. Que moi, je me rende compte que le message que tel prêche, ce message, je ne crois pas que c'est la vérité que la Bible nous enseigne. Quelle limite on va voir? Donc, on peut dire que c'était une messe écuménique? Non seulement écuménique, mais si nous ne tenons pas compte de ce que je suis en train de dire, depuis que j'ai commencé, ça devient un folklore. Un théâtre de mauvais goût. De mauvais goût, et qui risque de créer encore des conflits. Qui déjà commence? Parce que Guiolang n'est pas venu. Il n'y a pas seulement Guiolang, il y a Godempo qui n'était pas là. Évêque Moukoura n'était pas là. J'ai vu Godempo y prêcher, je pense. Non, non, hier, il n'était pas là. Ah. Dans ce sommet, il n'était pas là. Godempo, Guiolang, Évêque Moukouna, Wallo n'était pas là, Espen Bakadi n'était pas là. Mais apparemment, Espen Bakadi de Mangembo aurait beaucoup contribué pour la réalisation d'un tel projet. Il semble qu'il a donné beaucoup. Il semble qu'il a donné beaucoup. Espen Bakadi n'était pas là. Autant de personnes. Moïse Mbie qui était sur l'affiche n'était pas là. Frère Patrice n'était autant de personnes. Donc ça n'a pas fait l'unanimité. Mais sur la fille, c'était sommé. Maintenant, si le sommet n'a pas fait l'unanimité, et qu'on appelle Baka pour lui poser la question, mais moi je vous réponds en accord avec Galates chapitre 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que moi je désire? Ou je désire la faveur de Dieu? Est-ce que je recherche à plaire aux hommes? Si réellement moi, Baka, aujourd'hui, je commence à chercher à plaire aux hommes, je ne serai plus le serviteur des dieux de la République démocratique du Congo. Je vous donne cet élément rapidement en lisant. Paul n'avait pas une église, mais il est connu des Galates parce qu'il avait une église de ménage. Mais lorsqu'il parle aux Galates, il ne recherchait pas la popularité. Nous voyons des gens que vous mettez sur les affiches qui ne sont populaires que dans les TikTok. Vous dites? Je vois des gens dans ces affiches qui sont, que vous dites, des grands populaires qui sont dans les TikTok. Il y a le couple Kavassel, hein. je les ai vus aussi dans l'affiche. Hein. Soyons sérieux. Oui, oui. Je respecte beaucoup. Et Francis Tate aussi. J'apprécie les motivations et les conseils bibliques de Madame Kavassel. C'est une femme encouragée. Les conseils bibliques liés à la morale, à la bonne conduite. Elle prêche aussi la parole. Moi, je n'ai jamais suivi prêcher. Je ne prends que les morceaux que je vois sur TikTok. Ah, il faut aller dans son église. Hein. Elle va me suivre. Je suis d'accord avec elle pour ça. Okay. Mais, je pose une question. C'est pour autant, par respect, qu'il faille, d'abord en critiquant l'infographie, que vous peignez la tête du général, celui que vous le mettez là-bas au fond. Vous savez, des fois, il faut éviter certaines choses. Vous avez fait des conflits inutiles. Parce que là où moi j'existe, si l'erreur d'infographie s'est faite, j'ai dû mettre d'abord la tête. Je vais voir. Si il faut que ma tête apparaisse, je dirais mettez la tête de l'évêque. Les deux évêques sont là. Il est là, vous voyez Madame Kavassele. Sans pour autant dire que cette affiche incarne une certaine grandeur. Mais vous allez remarquer ici, je vois là la tête de Sony et des gens de verre. J'ai pas aussi vu Jean Bosco qui ne doit pas. Ah, et le Sonic en fauteuil là. Et là, voilà. Dis, mais écoutez, on commence là-bas avec Albert, avec Moukouna. Marcelo. Maman Émile. Maman Émile Coutinho, Bakadi. Bakadi. Louange, le pasteur Moutombo Kalombo. On y va, Wallo, on descend. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième avant-dernier visage. Vous mettez Sonic. Dis mon cher. C'est pas une provocation ça. Donc, vous commencez avec quelqu'un de Moukouna, Emmanuel de Sony, ce n'est pas un message. Le dernier sur la liste. Qui peut accepter ça? Même, je parle de Louva, je parle de Pasteur Kavassele, je vois Francis Tato. Il est là, oui. En haut. Oui, mais pourquoi ils n'ont pas dit, s'il vous plaît, prenez la tête du général, hein, mettez ça même là où nous sommes, parce que ça, c'est un aîné. Même moi, je ne tolérerai pas ça. Vous prenez Louva, vous mettez en haut, Émile Coutinho en haut. Regarde l'affiche du ministre de la Justice et garde des Sceaux pour les états généraux du ministère de la Justice. Il y a les chefs de l'État. Voilà la prééminence. Madame Souminoua. Voilà la prééminence. Ministre Moutamba. Ça, c'est la logique. Hein. Est-ce que je suis en train d'inventer des choses? Non. Vous imaginez que demain, on s'élève le ministre de la Justice à la tête après le président pour Madame Souminoua.
Mais c'est une crise au sein du gouvernement. Ça peut créer, ça peut faire l'objet d'une crise sérieuse que les églises peuvent négliger. Paul n'est pas connu pour avoir fait la popularité. Deux. Okay. Paul invoque la notion de la probité morale. Il dit la probité morale. Parce qu'il était connu pour être zélé. Mais il abandonnait le judaïsme pour quelque chose de meilleur. Galates chapitre 1, verset 13 à 14. Paul prêcha la grâce de Dieu plusieurs fois. Et les gens l'ont entendu. C'est le message fondamental de la foi. Okay. Paul était confronté à d'autres apôtres. Mais il ne fit nullement défaut. Et il n'avait rien à reprocher sur Paul par rapport à son message. Paul reçut la pleine approbation des autres apôtres sur son apostolat. Galates chapitre 2, le verset 7 à 10. Mais il y a des gens que moi j'ai remis en cause leur apostolat ici. Vous dites j'ai remis plusieurs en cause. Par exemple. Ah ben non, écoutez, il ne faut pas chercher. Je viens de copier un mandat de comparution RMP par l'une des personnes dans l'affiche. Je ne souhaiterais pas revenir encore dans. N'hésitez pas le nom, mais. Je ne serai pas tenté par toi. Okay. Je ne veux pas de problème. Mais les pasteurs ne peuvent pas faire arrêter les gens quand même. Moi, j'ai été menacé pour être arrêté. À cause de la vérité? Oui. Okay. Paul remarque que les judaïsants se réclament de Pierre. Et pourtant, c'est Pierre qui judaïse. N'a rien dit lorsque l'apôtre Paul lui a fait des remarques dans le livre des Galates, chapitre 10, verset 11 à 21. Mais il y a des gens qui judaïsent ici. Judaïser, je vais te donner l'explication. Okay. Le judaïsme vient du mot iodaïsmos, okay, qui signifie religion juive, qui se rapporte aux croyances et à la vie religieuse juive. Je dis bien exclusivement juive. Elle ne peut pas être camerounaise, elle ne peut pas être gabonaise, elle ne peut pas être ivoirienne, elle ne peut pas être congolaise. Donc le judaïsme n'a rien à voir avec la chrétienté. Ce sont les croyances et la vie des juifs. Avec l'église du réveil, le judaïsme ne veut pas ça avoir... Ça ne marche pas de pair. Mais moi, je conseille qu'il y a plus de 10 qui sont des judaïsmes. Ici, dans l'affiche ici. Vous savez, ne pas reconnaître qu'une génération s'en va. Okay. Et une autre vient, c'est une très grande erreur. Parce qu'avant que ces pasteurs ne viennent, il y avait celui qu'on appelait Aïdine Abala, qui a reconnu qu'il y avait des gens qui montaient. Mais peut-être à leur tour, moi je te dis la vérité, certaines personnes me disent toujours, Paka, pourquoi toi tu aimes parler trop de Sonic Afuta? Je dis, je ne parle pas de lui comme quelqu'un qui n'a pas eu des erreurs dans la vie. Mais je parle de lui comme quelqu'un qui reconnaît la valeur de la génération montante. Le général Sonic Afuta reconnaît Aïdine Abala. Aïdine Abala, il reconnaît celui qu'on fout dans Zambé Balam. Mais tu peux imaginer que le général Sonic Afuta Rokman, avec qui nous avons été il y a deux semaines, parce que j'ai vu la chose, je me suis rapproché. Okay. Son humilité m'a permis de discuter avec lui pendant longtemps. Il m'a dit, ne te trompe pas. Tu es une génération montante après nous. Okay. Ne compromets pas. Certes, c'est difficile, mais ne compromets pas. Et ce qui me touche, c'est l'expression qu'il dit en haut. Je ne vais pas suyer ma conscience. Donc, interprétez-moi ça. Attendez, être ensemble avec les autres dans ce sommet. À un tel sommet pour lui, c'est suyer sa conscience. Mais c'est quoi la conscience lourde, chargée qu'il ressent? Frère, ne prenez pas les choses à la légère. Mais c'est à lui aussi de s'ouvrir, de tenir peut-être un point de presse pour que le jeune de aujourd'hui. Je comprends un point. Oui, parce que. Je continue à louer l'action de créer un sommet pour l'unité de l'esprit. Ok. Je suis d'accord. C'était une très bonne idée. Mais vous n'avez pas bien animé cela. Qui est d'abord l'idée de David Paul Olangi. Quand il est revenu de l'Israël, il semble qu'il y ait un coup d'État. On a pris son idée, c'est Jibéama qui est sorti maintenant pour. Donc, pour on a évincé pour avoir son idée. Son idée. C'est ça que je donc, veux. La matérialisation pose problème. Mais est-ce que quand nous faisons tout ça, vous imaginez le nombre de croyants, de jeunes serviteurs de Dieu qui montent, ceux qui espèrent en l'Éternel, quand ils voient des choses pareilles, ils sont déçus. Ils sont découragés. Voilà pourquoi de plus en plus, ils commencent à se justifier sur mon message. Moi, non, Baka Lubak. Vous voyez ce que Baka disait. Ce n'est pas moi qui dérange les aînés.
ce sont les erreurs publiques des aînés qui fait que les gens commencent à me suivre. Une parenthèse rapide, hier, il y a le pasteur Louvois, oui, sommet de l'unité, mais qui lance un message d'appel de fonds que ils ont la dette, ils ont eu la dette de Hôtel Hilton de 30 000 $ que les gens contribuent pour... Qui dormait là-bas? C'est la question, qui dormait? Il y a un pasteur qui m'a appelé pour me dire, mais, Delphine, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Finalement, on ne comprend pas. On a commencé à nous demander l'argent. Qui? 30 000 $ parce que... La réunion s'était dit où? Parler du peuple Hilton. Bon, comment vous pouvez aller à Hilton, vous avez des dettes? 30 000. Comment vous avez ces dettes? Il fallait maintenant que les pasteurs payent. Où se trouve maintenant la notion de l'efficacité et de l'efficience de la méthode utilisée? Parce qu'avec 30 000 $, moi, je peux créer une chaîne de télévision chrétienne. Okay. Parmi lesquelles tous vont commencer à passer pour prêcher l'évangile. Avec 30 000 $, nous pouvons mettre en place un bâtiment qui permettra à chaque homme de Dieu de venir présenter sa valeur. Sa valeur en termes de prédicateur intrinsèque. Mm-hmm. 30 000 $ à Hilton, Louva et Kaola, que je salue. Mm-hmm. Mon ami, je l'apprécie beaucoup, Louva et Kaola. Parce que lui, au moins avec nous, nous avons mouillé les maillots à l'université de Kinshasa, okay, dans la faculté des sciences économiques. Okay. J'ai beaucoup de respect envers lui, non pas en tant que seulement pasteur, mais en tant que confrère de l'université de Kinshasa. Okay. Nous avons peiné. Mais je me demande de montrer, cher frère Louva, comment tu peux baigner dans une telle saleté. Donc il y avait un désordre organisé, je pense. Les mots grecs, hein, treskeia, c'est parmi les mots qu'on dit judaïsme. Mais il faut que vous mettez dans votre tête le mot grec treskeia n'a pas de synonyme tel que le mot salut. Alors parmi les gens qui judaïsent, parmi les gens qui sont dans les affiches qui judaïsent, c'est le premier facteur qui a fait que plusieurs pasteurs que vous ne connaissez pas ne peuvent pas se permettre de s'afficher là. Pourquoi? Parce que d'abord nous sommes en plein débat des habits de sacerdoce. Okay. Nous n'avons pas tenu la conclusion par rapport à cela. Donc Actes des apôtres au chapitre 15, Pierre a réuni tout le monde sur la question de savoir est-ce que les croyants en Jésus devaient-ils se faire circoncire. Tout le monde était appelé. Bien que le message de Paul était difficile, il a convaincu Pierre. Est-ce qu'on doit aujourd'hui parler des grands par rapport à l'âge? On doit parler des grands par rapport à la popularité sur les réseaux sociaux. Attention, nous commençons à virer et nous ne suivons plus l'essentiel. Hein. Et c'est comme ça que l'autorité politique ne nous respecte pas. Ils nous réduisent aux gens qui ont besoin d'argent. Certains d'entre eux, avec beaucoup de moqueries, des fois ils disent, ah, ça sont des aventuriers. Donnez-leur. Dans les petits messieurs. Les petits messieurs, donnez-leur quelque chose. Quand tu donnes 20 000, tu fuis. Vous dites 20 000 $, tu disparais. Qu'est-ce que les politiques disent? Cher pasteur, vous savez peut-être c'est vous qui le fréquentez. Vous n'avez pas le temps d'entretien avec les autorités. Nous, pour des raisons de contributions scientifiques. Contributions scientifiques, okay, pas ecclésiastiques. Au rendez-vous du donner et du recevoir. Je cite Léopold Sédar Senghor. Okay. Lorsqu'on discute, j'entends des choses, moi. Certains, on les appelle de pyromanes. D'autres, on les appelle des escrocs. Les politiciens qui sont très radicaux disent des aventuriers. Okay. À quoi on réduit? Dites-leur seulement qu'il y a 250 000 dollars à partager. Vous verrez comment ils vont devenir des petits-enfants. Mais c'est suyant, ça. C'est... Mais comment les pasteurs ne peuvent pas refuser de telles qualifications? Mais j'ai appris que derrière ces sommets, il y a la main politique. Monsieur Roger Bacca, c'est vrai, les temps nous fait défaut. Tout simplement... Parce que le pouvoir a besoin d'amorcer une campagne liée au changement de la constitution. Alors, il fallait qu'il y ait d'abord l'unité de l'Église pour que l'Église fasse un grand travail. Pensez-vous que l'Église est manipulée par la main politique? Non, au contraire, je crois que
que ce n'est pas parce qu'on est pasteur, ce n'est pas parce qu'on est frère en Christ qu'on doit être ignorant de la vie politique du pays. C'est une conception, c'est un paradigme qu'on doit changer. Ok, ouais. Ça, c'est mon point de vue. Bon, si tel est l'objectif ou la démarche politique, moi, je crois que sur ce point-là, vous devez chercher des politiciens maintenant. Parce que moi, je ne fais pas la politique. Okay. Qui peuvent venir commenter sur l'opportunité d'un tel rassemblement avec un but. Je ne sais pas. Pour l'instant, je ne le crois pas. Non, vous êtes un leader d'opinion. Mais j'ai dit que ça circule dans les couloirs. Moi, je pose comme une question. Oui, mais finalement. Est-ce l'Église ou les recettes est entre les mains des politiques pour leur donner les éléments de langage? Parce que bon, derrière eux, il y a la foule, il y a la population. Ils pouvaient faire ce travail. Enfin, je pense qu'on ne peut pas avoir une révision constitutionnelle sans passer par les référendums. Sans passer par les référendums. Ok. Donc, si tu veux avoir un référendum, il faut chercher le groupe de masse. L'Église représente quand même un groupe qui contient beaucoup de personnes. Donc, c'est une société civile importante. Donc, c'est pour dire que ce n'est pas une erreur de la part de l'État de mettre des moyens pour que les têtes se rencontrent. Mais la question, c'est de savoir, les têtes que vous réunissez, pensez-vous qu'ils ont encore une parole à influencer la population? C'est une question que je pose. La meilleure d'ailleurs. Croyez-vous que c'est un créneau par lequel la population... Je vous dis la vérité. Hein. Ça, je vous le dis sincèrement. Il y a des noms de pasteurs mettez à la télé, demandez aux gens s'ils sont d'accord avec lui, qu'il laisse passer. Plusieurs vont te dire que nous ne voulons même pas qu'il porte les noms pasteurs. Nous ne voulons même plus l'entendre parler de nous. Non, mais quand même, vous avez un représentant légal. Et Jibaya Mapia, hier, j'étais là, j'ai vu. Il a écrit, hein, c'est un écrivain qui a un peu ses expériences. Il y a au moins plus de 10 livres que j'ai vus là-bas. Mais apparemment, on demandait aux gens d'acheter. Mais je n'ai pas vu même 5 personnes qui ont acheté mes livres. C'est pour te dire quoi. C'est pas un leader. Je respecte Jibaya Mapia, archevêque. Évêque, hein? Je ne sais pas. Bon, moi, je le respecte. Les représentants légaux. Bon, je le respecte. Seulement qu'il y a une chose. Comme je me réclame du Seigneur Jésus-Christ, nous utilisons le même support, c'est la Bible. Je ne pense pas que c'est à volonté. Je ne pense pas, je répète, je ne pense pas que c'est à volonté que vraiment qu'il y ait des photos que lui soit d'accord avec ça. Parce que je ne pense pas qu'il peut y avoir sommé pour remettre en cause les régimes que nous sommes en train de vivre assis. Il y a peut-être une question, est-ce la démocratie est le véritable régime politique? Est-ce que les nations autocratiques n'ont-ils pas développé leur économie plus que le pays démocrate? On peut poser des questions pareilles. Je ne vois pas qu'on va mettre à la tête de Vital Kamerhe, on mettra la tête de Robin Minaku, on mettra la tête. Vous allez mettre la tête de qui vous parlez des régimes? Vous parlez d'une matière scientifique. Comment vous mettez la tête des gens? C'est là où j'ai dit, pourquoi vous voulez toujours vous passer des bacs? Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez être sûr que vous êtes totalement sûr qu'il y a des gens qui peuvent piloter mon intelligence au sein du groupe des sommaires? Vous dites, c'est une question. Croyez-vous qu'il y a des gens qui peuvent piloter ma tête au sein du sommet? Je pose la question avec valeur intrinsèque, sans orgueil. Non, mais il y a des professeurs. C'est quand même des professeurs. Je suis d'accord. Maintenant, regarde le professorat où ça a mené les gens. S'il y en a, on a mis les têtes des gens. Pourquoi? Pourquoi ne faut pas comprendre que c'est une erreur d'infographie? Le professeur faisait quoi? Autant que l'Église ne voudra pas reconnaître la valeur personnelle des bacs, moi je serai toujours là pour dire aux chrétiens, Dieu vous trouvera un autre chemin. Dieu fera quelque chose pour que l'Église soit révisitée. On ne pouvait pas vous mettre parce que vous êtes un opposant dans l'Église. Opposant. Apparemment, vous tirez... opposant. Non, vous êtes un opposant. On vous considère comme un révolutionnaire, moi. Un opposant, quelqu'un qui est contre... Non, je suis la résistance. Ok. Je suis la résistance, je suis la zone indépendante. Okay. Les personnes qui continuent à croire à la supériorité de la Bible et à la suprématie du Saint-Esprit. Ce que la Bible dit, non, c'est non. La Bible dit, un homme n'épousera pas un autre homme pour regarder sa nudité. Non, Baka dit non. Pouvez monter, vous des années, je vous dis non. Quand la Bible dit,
tu ne porteras pas. Parce que nous sommes des imitateurs de Christ, papa. Jésus-Christ a porté le fanlin. Le seul habit que je peux autoriser aux hommes de Dieu de porter aujourd'hui, quand ils veulent faire leur service, c'est le fanlin. Parce que là, au moins, ils ont une justification biblique. Nous sommes des imitateurs de Christ. Il n'a pas porté les fautes. Il n'a pas porté les pectoraux. Il n'a pas porté, il n'a pas joué la trompette à l'église. Il n'a pas fait cela, calice, il n'a pas fait. Où est-ce que nous avons? Et vous savez, les dangers de tel sommet, c'est quoi? Certains vont perdre leur identité de respect. Parce qu'on m'a dit, Poutine un jour, il a dit au président Xi Jinping, il lui a dit, dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Mais quand on vous voit dans les affiches, par certains vont perdre leur identité. Mais quelqu'un m'a dit, le pasteur Marcelo s'est senti humilié, je ne sais pas si c'était le cas, mais j'étais là, parce qu'il regardait à côté de lui, il cherchait peut-être les gens qui étaient sur l'affiche, et apparemment il était déçu. Parce que 95% des gens qui étaient sur l'affiche, les abonnés absents. Alors lui, il était là comme un grand. Donc, mais je demande encore une fois au comité organisateur que je respecte beaucoup. Pourquoi vous croyez toujours que moi je suis mauvais? Je suis en train de défendre des valeurs bibliques. Je suis en train de soutenir le christianisme dans ce pays. Je donne un contenu. Pourquoi vous voulez tellement dire non, pas lui? Je ne dis pas moi. Avec moi, tous les restes. Baka dérange. C'est ça. Là. Il dérange qui? Vous dérangez. Vous... Parce que la Bible, c'est la Bible. Vous parlez de judaïsme ici, mais il y a des gens qui prennent les judaïsmes. Mais pour les là-bas. Parce que c'est leur gagne-pain. C'est leur gagne-pain, ils sont là-bas. 80% des prédicateurs qui sont là, ce sont des gens qui ont reçu le fondement de l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 2, le verset 18, 19, 20, je paraphrase. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les apôtres et les prophètes n'ont pas porté ces habits. Je suis désolé. Excusez-moi quand même Je parle de fondement. Excusez-moi de vous poser cette question directe parce que vous parlez des judaïsmes. La réalisation a mis la photo de Francis Tatou qui est également sur l'affiche. Judaïsme. Vous pensez que lui, avec le public qu'il a, il était là dans l'affiche. Vous également dans ses sommets, mais vous allez l'attaquer facilement parce que vous n'aimez pas ce qu'il fait. Comme la personne qui introduit le judaïsme dans l'église, qui prêche le judaïsme. Excuse-moi, tu vois quand tu parles... Ce mélange devait être un mélange que... C'est quand tu parles de Francis Tatou. Par moment, les gens ne connaissent pas l'histoire. Vous connaissez l'histoire? Les Francis Tatou dont vous parlez, demandez-lui le soit numéro 4 ou numéro 14, si je ne m'abuse. C'était où? Ok. Demandez-lui, ministère international des Bois, il a commencé où? Et là, au ministère international, Déborah, le général Bopéa, couple Bopéa. Demandez à mon jeune frère. Quand je l'appelle jeune frère, les gens disent non, tu manques de respect à Francis Tatou. C'est un père. Mais allez lui dire, lui, que Roger Bacca est ton grand frère. Vous verrez la réponse qu'il va vous donner. Non seulement que nous fûmes dans une même communauté, okay, et que nous avons bénéficié des enseignements de plusieurs dont le pasteur Willou Zolo aujourd'hui décédé. Et tant d'autres gens passent. Non seulement ça, quartier Moussey, Mbinzaozone, en diagonale du centre supérieur militaire, en face de lycée Tobomisa. Mais c'est là où habite mon jeune frère Francis Tatou. Moi, je suis du côté de Kamanda. Qui est-ce que je ne connais pas dans la famille de Francis Tatou? Sa maman. Ses deux sœurs, son grand frère qui venait de l'Angola, son frère lui répondant au nom du nono. Vous voyez le problème avec vous lorsque vous voyez des TikTokers, vous voyez des ouais, vous croyez, nous ne sommes pas étrangers, nous nous connaissons. Okay. Et donc, je n'ai aucune raison subjectiviste d'attaquer mon jeune frère. C'est que je dis, je donne même le soubassement biblique. Mais lui aussi dans la Bible. Non, dans l'Ancien Testament, les pratiques qu'il utilise là, ça se trouve là-bas. Donc il faut arracher certains versets dans votre Bible. Dans alors. L'Ancien Testament, Christ est voilé. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui lisent Moïse, jusqu'à aujourd'hui, ont le visage voilé. Maintenant, vous faites un sommet de l'unité. Moi, je te pose une question. Quelle unité y a-t-il entre nous qui pensons qu'il faut mettre la cravate, la veste,
ou soit une chemise présidentielle comme toi, face aux gens qui croient qu'il faut porter les faux, la tunique blanche, les pectoraux, jouer de la trompette. Nous n'avons pas d'unité déjà au niveau de l'esprit de la lettre que nous devons prêcher. Maintenant, moi je pose la question, comment le sommet va-t-il se tenir lorsque nous sommes différents? Déjà, le point de départ, c'est ça. Comment je vais faire un sommet avec quelqu'un qui estime que pour exercer le ministère, il doit porter les habits du sacerdoce? Moi, je ne crois pas à cela. Comment on va faire des choses? Mais ceux qui pressent les judaïsmes, c'est eux qui ont donné beaucoup d'argent. Ceux qui ont donné beaucoup d'argent pour la réussite de ce sommet. Alors, c'est ça la question. Faut-il maintenant poser la question? Ils ont donné beaucoup. La question maintenant vient, tu me donnes l'occasion de poser la question. D'où vient l'argent? Vous dites d'où vient l'argent? Comment nous, on n'en a pas? Parce que vous ne comprenez pas la loi de la richesse. Et qui sont dans le judaïsme comprennent ça mieux. Ça s'appelle la prison de Balaam. Vous dites? Prison de Balaam. En tant que devin, il était engagé par un roi qui a financé de l'argent pour faire de son don une contrepartie. Non, nous ne sommes pas de cette race-là. Quoique, je termine par 2 Pierre chapitre 2, verset 1. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront vers eux une ruine soudaine. Toi qui dis qu'ils ont beaucoup de gens qui les suivent. Plusieurs le suivront dans l'ère des règlements. Dans l'ère? Des règlements. Plusieurs. Ah, et la voix de la vérité sera calomniée. Ils sont dans les dérèglements. Voilà pourquoi il y a plusieurs derrière. Selon la règle, c'est que nous sommes des imitateurs de Christ, comme Paul le dit. Donc si quelqu'un sort des styles de vie que Paul établit, il est dans les dérèglements. Alors, évangéliste Roger Baka, nous chutons par... y a-t-il nécessité d'échanger la constitution aujourd'hui? Parce qu'il y a quand même certaines voix qui s'élèvent, les opposants, certaines personnes de la société civile qui pensent qu'il n'y a pas de nécessité de changer la constitution. Vous, comme la parole de l'Église, l'âme de l'Église, le professeur de l'Université de la foi chrétienne, pensez-vous qu'il y a nécessité? Oui. Vous dites? Oui, il y a nécessité. Les opposants font ce n'est peut-être pas urgence. Ok. Oui. Peut-être pas urgence, mais nécessité. J'ai deux points que je vais évoquer. Premièrement, je fais l'état de la question parce que dans l'élaboration d'un projet de recherche, on m'a dit à l'université de Kinshasa, voir deuxième, troisième gradué à faculté des sciences économiques, dans le cours des rapports économiques, dans l'élaboration d'un projet de recherche, comme c'est notamment le projet que nous avons maintenant dans l'actualité. D'abord, moi je refuse une chose. Je ne veux plus que les politiques nous utilisent comme des gens mendiants qui viennent chercher de l'argent. Prenez un peu d'argent là, organisez-vous. Hein. Quand on va lancer l'activité, vous allez convaincre les autres. Non. Je ne veux pas que l'Église soit réduite à ça. Je ne dis pas que ce sommet, c'était ça. Mais je dis que je ne veux pas qu'on nous réduise à ça. Okay. Nous avons des têtes pensantes, là, qui peuvent donner des idées pour que la révision constitutionnelle comprenne et ait un sens de l'apport de l'Église. Ne nous limitez pas au point qu'ils prennent l'argent. Et ne dites pas que si nous gagnons ces pasteurs, la population peut facilement accepter un tel projet. C'est faux. Il y a des projets qui risquent d'être refusés à cause des têtes, certaines têtes. Que vous croyez que c'est un leader d'opinion, alors que sur le plan société comme ça, tout le monde les met en cause. Ils n'ont pas l'ancrage sociologique. Mais justement, parce qu'on n'a pas besoin du langage biblique, mais on a besoin que les intellectuels sentent en nous leur langage. Parce que la Bible, c'est la science des sciences. Ok. Mon frère, de l'état de la question, y a-t-il des gens qui ont déjà abordé cette histoire? Oui. Il y a le maître Kabingela Ilumba que j'ai suivi. Ok. Il affirme, maître, la constitution de 1967, sous Mobutu, a conduit 16 révisions. 16? Il faut informer les scientifiques. Ok. En 1994, une autre constitution qui est révisée en 1995. Mouzet a pris un décret, loi constitutionnelle, qu'il va encore lui-même réviser 3 fois. Le décret-loi numéro, décret-loi constitutionnelle numéro 3 du 27 mai 1997 jusqu'en 2001, 3 révisions sont passées. Le premier, c'est le décret-loi constitutionnel numéro 74 du 25 mai 1998. Deuxième décret-loi constitutionnel de révision, c'est le numéro 180
du 10 janvier 1999. Troisième décret loi constitutionnelle, numéro 098/2000. Je me suis renseigné, je salue ici le corda, le magistrat Eric, mari de Madame Julie, maître Julie, un couple qui me renseigne beaucoup sur le droit. Je salue aussi maître Blaise Mandjumba, qui me renseigne, parce que moi je me renseigne et je fais un effort de lire, d'étudier, de sortir du carcan biblique pour devenir utile pour ma nation. Okay. Mon cher frère, Joseph Kabila, qui vient de partir, il a révisé la constitution une fois. Bon, maintenant moi je pose la question. Certaines personnes, je dis bien, je ne connais pas, je laisse. S'il vous plaît, ne m'en tenez pas rigueur, hein, les commentateurs. Je laisse la démarche politique de la révision constitutionnelle entre les mains des politiciens. S'il y a des opposants, ils viennent, eux, justifier cela. Moi, je parle de ce que l'Église entend. Et il y a deux éléments que je ne perdrai pas de vue. Le premier élément que moi, en tant que la voix du Christ, prophète de la nation, évangéliste, je dis, nous devons revoir le préambule. Préambule. Dès le départ, il y a une contradiction flagrante. Monsieur Massouda, aidez-nous. Avec le préambule de la Constitution. Peut-être que les gens croient que la Bible nous suffit. Non, il faut lire. Okay. Dans le préambule, on peut monter. On monte, c'est pas là. C'est le dernier paragraphe. Okay. On dit ceci. Oui, on y va. Affirmant notre détermination à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationale dans le respect de nos diversités et de nos particularités. On monte, mon frère. On monte. Merci beaucoup. Ok. Yeah. Vous verrez, ils finissent par dire, réaffirmant. C'est là où ils disent, nous, devant Dieu, devant la nation, et devant le monde, okay, je pose la question. Vous savez ce que c'est l'institution chef de l'État? C'est le président de la République. Que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Que je n'ai jamais rencontré. Même ses conseillers qu'il me reçoit, jamais, je le dis à la télé. Okay. Il dit, dès Chroniques chapitre 7, le verset 14, 15, 16, 17. La régie me permet de lire. Vous me permettez de lire, mon frère? Oui, oui, oui. Le président de la République démocratique du Congo prend la référence de Salomon lorsqu'il a construit. Il a fini de construire le temple de Jérusalem. Voilà ce qu'il dit. Merci beaucoup de me présenter le président de la République avec la Constitution. Il dit, lorsque Salomon y achevait la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il y récit dans tout ce qu'il s'était proposé de faire, dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi. Et l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, j'exauce ta prière, je choisis ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y demeure à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches devant ma présence, comme a marché David et ton père, j'ajoute, fais-en tout ce que je t'ai commandé. Et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai ton trône de ton royaume. Mon frère, ce n'est pas fini avec ce discours. Si vous mélangez cela avec la réaffirmation devant Dieu, je vous pose maintenant la question. Face à ces deux faits, Congo doit être une nation laïque. Sinon, vous vous contredisez. Alors, si vous vous contredisez, toutes les promesses de Dieu déclarées dans ces versets deviennent caduques.
dans la laïcité, c'est déjà un problème. C'est un péché grave contre le fait que le chef de l'État a présenté la nation devant Dieu. On pose la question, il s'agit de quel Dieu? Mais la réponse est simple. Vous pouvez prétendre qu'il s'agit de notre Dieu. Je vous concède. Mais la référence est dans la Bible de notre Dieu. Okay. Donc, le président de la République, après avoir mûri son information avec tous les conseillers, il s'est levé, il a dit ça. Donc, on ne peut pas avoir un pays laïque. On dira, article 1er, la République démocratique du Congo. Que l'Éternel le bénisse, lui, le président. Parce que je loue cet acte pour dire, je n'ai jamais vu ça en Afrique. Je n'ai jamais vu ça en Europe, un président s'élever comme ça. Vous savez, il s'agenouille. Le main tendu, comme on dit, les serviteurs attendent un salaire de près de leur ventre. Un chef d'État a tendu les mains à Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi. Mais la guerre ne termine pas. Seigneur, aide-moi. Les dollars ne font que galoper. Seigneur, aide-moi. L'économie est en branle. Seigneur, aide-moi. Le gouvernement récemment placé doit être revisité pour qu'on change notre gouvernement d'ici janvier. Seigneur, aide-moi. Mais pourquoi Dieu ne descend pas? Baka est venu proposer des solutions. Mon très cher président de la République, enlever la mention à l'unanimité de la laïcité. Vous contredisez. Et c'est une contradiction. Notre Dieu n'aime pas ces choses. C'est un Dieu qui a des droits et des règles préétablies. À défaut de quoi? S'il vous plaît. À défaut de quoi? Écoutez cette référence. Il dit ceci. Mais si vous vous détournez, et si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux, ou vous prosternez devant eux des maisons philosophiques, hein, je précise. Hein. Écoute les promesses. Je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Qui ne se moque pas du Congolais? Il me reste peut-être 2 minutes, je termine. Est-ce que je peux avoir l'article 217? L'article 217 de la Constitution, monsieur Massoula, mon réalisateur. Nous avons besoin d'une église capable de produire. J'ai dit, je veux voir monsieur Anthony Kinzi. Ok. Le directeur du chef de l'église. Kinzo, excusez-moi. Okay. Monsieur Anthony Kinzo. Je vous enverrai son numéro. J'ai appris qu'il y a de reconnaissance depuis que vous vous êtes nommé. Okay. Que vous posez des bons actes. Voici quelqu'un que l'église a produit, c'est un intellectuel. C'est un homme intelligent. Mais très intelligent. Ne reste pas seul comme Daniel, on va te mettre dans la fournaise ardente, papa. Fais-toi accompagner les méchants Shadrach avec Nebo. On va te jeter dans la fosse au lion, là où les méchants sont, augmente le nombre de personnes qui sont capables de faire ombrage à ceux qui veulent te jeter dans la fosse au lion. Article. Ah, merci beaucoup. On me dit qu'il est très intelligent. Très intelligent. Je bénis le Seigneur pour son choix. Un homme de prouesse. Merci. L'article 217. L'article 217 hein, de la Constitution congolaise que les gens refusent qu'on puisse réviser dit exactement ceci. 217, voilà. C'est là-bas. Voilà. Non, ça tu peux lire, mon frère. Que j'ai dit? Je te concède. La République démocratique du Congo peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Donc ça veut dire, nous pouvons avoir des traités qui sont au-dessus de notre constitution. Parce que les traités internationaux sont au-dessus, supérieurs. Okay. On peut consentir. Hein? Nous abandonnons par exemple la partie de l'Est. Partielle. Ou, partielle ou quoi? C'est bien écrit. Oui. Donc, on peut, comme ça là, d'un bon matin, on dit, bon, abandon partiel de souveraineté. Ça veut dire, il peut s'agir de Nord Kivu, Sud Kivu, ou Goma. Oui, merci, c'est fini. Ces parties-là, nous pouvons céder la souveraineté à notre nation. Au nom de la paix, l'unité africaine. Merci. Je rappelle que le Sénégal, si je ne me trompe pas, la Côte d'Ivoire, avec un autre pays, ils ont aussi cet article. Ok. Donc, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas dire que c'est dangereux. Mais la question est de savoir, est-ce que les voisins de la Côte d'Ivoire ont les mêmes intentions que Rwanda? Les ambitions expansionnistes? De l'Empire Imatuti. Ok.
Est-ce que si on admet parce que le Sénégal a cela et la Côte d'Ivoire a cela, c'est les intentions qu'a le Burundi et l'Ouganda. Donc, je conclue. Ne m'impitez pas. Je répète, ne m'impitez pas. L'IDPS dans le corps. Ne m'impitez pas. Quelqu'un qui a perçu quelque chose de la présence. Je n'ai rien perçu. Je mets seulement mon intelligence au service de la nation. Parce que c'est vous qui dites qu'on ne doit pas réviser. Mm-hmm. Mais si demain, par souveraineté, on abandonne une partie de la population, on va te dire qu'on a gagné. Ne voyez-vous pas maintenant, indiquez-nous où nous devons déposer nos requêtes pour que l'Église ait un mot. Au lieu de servir d'un pantin, on va balloter au gré des circonstances. Est-ce la Constitution est un acte de vente? Cet article est un acte de vente du Congo? Oui, parce qu'il y a des accords qui stipulent qu'il fallait qu'à partir de l'accord de l'Emera, le traité de ceci, qu'on devait céder 300 mètres. 300 mètres? C'est avant que l'actuel régime arrive. Okay. C'était déjà inscrit. Tu viens de le lire. Okay. C'était déjà inscrit. Alors maintenant, c'est une façon d'obliger la République démocratique du Congo de céder certains partis. À défaut de quoi, nous vivons des guerres. À défaut de quoi, la population connaît des massacres de masse. Nous devons, bien sûr, sous réserve de la Constitution, avec qui dit il ne peut pas y avoir état de siège en cas de président qui est... Non, la révision, quand il y a l'état de siège, on ne peut pas revisiter la Constitution, mais on peut changer. S'il faudrait changer... Donc cet article tombe. Voilà. Le changement ne demande pas l'état de siège. Mais, si mais la révision, il faut enlever l'état de siège. Maintenant, ça veut dire que si on garde un tel article et qu'à la fin, les traités comme ça se font, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent se réunir, ils doivent réviser pour accepter cet accord qui a des degrés supérieurs. Merci. Donc moi, l'Église, Baha, avec tous les pasteurs qui étaient au sommet de l'unité, nous disons nous sommes d'accord. Pour la révision. Merci. Je ne les engage pas. Hein. Je suis seulement comme le pasteur. Merci, évangéliste. Merci Delpha de me faire parler. L'homme intelligent. Ah, oh, ça, c'est toi qui l'as dit. Hein. Je connais peu. Hein. Merci, merci à vous. Voilà pourquoi la tête de Baka dérange. C'est vrai, vous pouvez voir vos failles, mais associé à ce que vous avez, l'intelligence fine, comme ça, ensemble. Vous pouvez faire des bonnes choses. Il ne faut pas avoir peur de l'intelligence. Ce n'est pas aussi sa faute si vous n'avez pas poussé les études très loin. Mais du moins, vous avez la grâce. Merci. Merci, monsieur Baka. C'est moi qui te remercie, Delphin, et 13e rue de m'avoir toujours. 10e rue. 10e rue. Ah, 13e, c'est IDP. Voilà. Ah, 10e rue télévision, l'étable de la démocratie. La chaîne qui est du bon côté de l'histoire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné derrière la caméra. Monsieur Malko qui était là, le cameraman le plus beau gars, un homme intelligent qui sait tout faire. Et de l'autre côté, régie finale, Monsieur Jimmy, l'homme qui n'a pas de cheveux, mais je ne sais pas, il faut prier pour lui. Et puis Monsieur Masunda, mon réalisateur attitré de cette émission, La Main Ingénieuse. Merci à vous. Suivez cette émission déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre Télévision ou Delcast Télévision ou dans 10 autres chaînes qui nous accompagnent, BRT, Centrale Télévision, autant et des chaînes et ERB, donc Évangéliste Roger Baka Télévision. Vous allez suivre cette émission pendant des semaines parce qu'il y a de la matière dans cette émission. Mais je vous exhorte, si vous êtes fâché, si vous êtes pour ou vous êtes contre, laissez les messages dans les commentaires. Nous allons lire. L'Évangéliste peut vous répondre dans les commentaires. Organisez-moi une émission. Voilà, l'Évangéliste peut vous répondre dans les commentaires. Ou soit, on peut prendre vos commentaires. On revient ici pour faire une autre émission pour qu'il puisse répondre à tout. Vos commentaires. Restez fidèles à nos programmes et notre RDC est possible. Au revoir. Au revoir. Du nouveau à Kinshasa, PKM Invest Shop, distributeur des produits électroniques grand public et du prêt-à-porter. Retrouvez les meilleures offres et promos des smartphones, laptops, accessoires et du prêt-à-porter à des prix inédits. Nos adresses? Commune d'Engaliema, avenue Colonel Mongiba, numéro 3, quartier Bassoko, référence rond-point magasin Kintambo, à côté de la station Total. Limité 7e rue, résidentielle, place commerciale, voire l'immeuble à l'Italia. Pour tout contact, appelez au 085 016 33 65. PKM, c'est la qualité. PKM, c'est la différence. PKM, c'est la thank you.
Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen.